pardon de tous mes péchés, ton amour qui m'invite à sortir du péché, mais mon âme est si froide que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais voir ma vue, oh, ton monde de ton miséricorde, je voudrais ton amour. Ton amour qui s'envole comme un père désolé, qui recherche l'enfant et la mère en pleurant, le croit sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver pour ton compte de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Comme un enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais voir ma vue, au torrent de ton miséricorde, je voudrais ton amour. Ton amour qui recherche ma brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donner à ton cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver pour te voir de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ton miséricorde, je voudrais ton amour. Ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur, souffrant à l'infini, s'étendant sur le monde, Jésus rédempteur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver, au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Ton amour qui attend, ton amour est pour toi, comme un jour ma belle, dans le ciel, et dans le ciel. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver, au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Ton amour est mystère comme la nuit de Noël, quand par Marie ta mère, tu venais nous sauver, agneau de ton frère. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver, au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Chers auditeurs, auditrices de Radio Télésolidarité, que je dis à que nous avons avec nous le père Edmond Aristide, qui est son père spirituel, qui est ministère, je ne dis à dans l'Archidiocèse de Chicago, c'est une réflexion sur
le carême. Comme nous connaissons que carême là, c'est un temps fort lié pour nous-mêmes, chrétiens catholiques, que je dis à que la réflexion Père Aristide que la plus mettait accent sur la miséricorde divine. Il fait que depuis Chicago, on a dit Père Aristide, bonjour, c'est la antenne de la radio Télé-Solidarité. Bonjour Frère Buteau, bonjour tout auditeur, auditrice Cap-Côté Radio Solidarité. Donc Jean-Frère Buteau, c'est un plaisir d'entendre. Donc moi, il est Edmond, c'est Père Edmond Aristide, je travaille dans 12 Chicago. Dans une zone qui est Flossmore, en Illinois. Donc, c'est un plaisir, c'est un privilège pour moi, je dis à vous, de partager les réflexions carrément ça avec nous. Là, merci à tout le monde qui prend le coup de message ça, bonjour et un bon temps de carême. Qui veut que Père Aristide ou qu'elle a commencé? Ok. Donc, ça me donne bien parler avec nous. Il y a sous temps carême. Donc d'abord, je vais faire une introduction sous temps carême. Et puis, après ça, je vais parler sur la miséricorde divine. Jean-Pape François a bien invité nous déjà pour nous consacrer l'année 2016 qui va venir là comme année en jubilé de la miséricorde. Sous temps carême, c'est un temps de retraite. C'est une longue retraite. Côté Jésus-Christ invite nous pour nous aller avec lui. Savannes dans le désert pour nous aller réfléchir, pour nous aller la prier, et pour nous capables de renouveler l'engagement, la foi nous avec mon Dieu, et renouveler l'engagement, la foi nous et avec grand maître là. Donc c'est un long temps de retraite pour nous capables de renouer relation nous avec mon Dieu et en même temps relation nous avec la clotte parce que nous pas capables. Si nous aimons mon Dieu, c'est d'abord nous aimer frère avec ce Dieu qui vit au monde. Nous est chaque jour dans la vie nous rencontrer chaque jour dans la vie nous. Donc si nous avons une bonne relation avec nous, donc déjà nous sommes capables de dire nous avons une bonne relation avec mon Dieu. Donc c'est deux volets relation nous avons, c'est une relation avec mon Dieu et une relation avec l'autre. Ça fait que mon Dieu les mêmes dit que. On est capable de résumer notre commandement humain de l'aimer mon Dieu avec toute force nous, toute force, notre courage nous, puis aimer frère action nous, même gens, nous aimer propre de pas. Donc c'est deux volets ça. Donc c'est un temps de rien là. Donc un temps de spirituel, un temps où mon Dieu invite nous, nous capables d'aller dans les Israël, dans les savannes, nous capables. Quitter tout oui la ville là pour capable d'être joindre au moment de silence. La ville n'a autant qu'on y a qui tellement de bruit pour être parfois difficile pour capable joindre en tout temps en silence pour réfléchir la prière et puis nous entrer dans une relation profonde avec mon Dieu. Donc nous avons invité tout le monde pour nous profiter tant de carême à l'église là offrir nous pour nous faire silence dans que nous. Nous faire silence autour de nous, de quoi pour nous capables de développer une relation ça avec mon Dieu, et une relation ça avec l'autre réaction. Donc, je me dis, tout à l'heure, d'arriver à parler de miséricorde divine, donc, temps de carême, qui c'est mon temps de préparation à cette Pâque. Donc, nous voyons comment dans pile l'évangile nous lit, nous parlons de miséricorde. Grand-mère là, que sensible au Dieu. Comment au Dieu nous est toujours tout prêt pour l'accueillir, nous est toujours tout prêt pour l'embrasser, nous, pour les pardonner, péché nous, pour être capable d'accepter nous comme petit lien. Et dans ce sens, d'arriver à prendre trois mots sur l'évangile, même les pas le lire, mais au moins pour nous référencer. Sur les trois paraboles de la miséricorde, nous jouons dans Luc. Chapitre 15, verset 1 à 7, puis un deuxième encore, donc je vais dire la drachme perdue, c'est chapitre 15, verset 8 à 10, et puis je vais l'enfant prodigue, qui est encore dans chapitre 15 de l'évangile de Luc, il
commencé dans verset 11 et puis li fini dans verset 31. Donc trois paraboles ça y est. La brebis perdue, la drague perdue et la femme prodigue. Donc vraiment la dit mettez en relief ces récoltes grand maître là. Comment vos dieux noirs sont vos dieux très sensibles. Comment bon Dieu noir, son bon Dieu qui est toujours là, la preuve, débote-le, nous prenons conscience de ça nous fait, qui mettait une distance entre nous-mêmes avec mon Dieu, et que nous gagnons remords pour péché nous, nous gagnons remords pour ça nous fait qui pas fait bon Dieu plaisir, nous gagnons remords pour ça nous fait côté nous offenser. Yon frère ou bien yon sœur, yon moun bon kote nou. Et puis nous retourner, nous demander bon Dieu pardon, comment bon Dieu lui-même est toujours là, là, en nous, avec bras bien ouvri, pour qu'il va pardonner nous, et puis pour nous, relation nous de perdu, lien ça, nous de perdu avec là, pour nous encore. Donc c'est dit ça et ça, trois morceaux, l'évangile ça représente nous. Et si le bon Dieu ça nous croit, il y a un bon Dieu qui va là pour condamner nous, il y a un bon Dieu qui va là pour qu'on juge pour l'absurver et n'importe quoi nous faire pour punir nous. Mais c'est un bon Dieu qui est au cœur sensible, qui est toujours là, d'attendre n'importe quoi nous décider, tout le monde pour dire sans pas poser nos questions, sans qu'il va vraiment demander nous pour nous balayer. Rendre compte de sa différence, mais pour pas nous. Donc, je pense que si nous prenons image ça, image bon Dieu ça, c'est une image cœur sensible, une image miséricorde, on est capable de faire un vrai impact sur la façon nous-mêmes de vivre dans la société, la façon de vivre une avec l'autre. Si bon Dieu, les mêmes qui bon Dieu, les mêmes qui parfait, les mêmes qui sans péché, pardonnez-nous tout péché nous. Pardonnez-nous tout ça, nous fait les miséricordes pour nous. Combien nous-mêmes tout, nous gagnons pour nous faire même ça avec. Et avec ce nous, les ou fait nos bagages qui pas bon, les ou fait nos bagages qui mal, les ou fait nos bagages qui va offenser nous. Donc c'est même invitation ça pour Dieu pour nous. Capable et courage pour nous pardonner, frère, pour nous pardonner ce que nous faisons, le bagage qui mal. Je pense que si chaque jour, la prière, essayer de demander bon Dieu pour aider nous, prendre conscience de l'aspect ça dans la foi, nous, pour que ça va changer en pile la façon de vivre dans la société, nous, dans le monde en général. Non. Et coin côté de la Bible, là, quel que soit côté de la Bible, là, ça va vraiment y a un changement. Parce que moi-même, je crois que la foi, donc c'est pas un bagaille qui abstrait. Donc, la foi, c'est mon bagaille en l'air, mais la foi, supposée, la dit, manifeste-t-il dans la vie, la bénédiction de chaque jour sur terre. La foi, c'est un bagaille concret. Donc, le monde qui a la foi, dans mon Dieu, le monde qui a la foi dans Jésus-Christ. Donc la foi, ça, donc il faut le manifester dans la façon à vivre, dans la façon à comporter, dans la façon d'établir une relation, une accorde. Et parce que si le, nous, la prière pour la foi, ça, nous, et dans mon Dieu, vraiment, il manifester dans la façon à vivre. Et plus ça, nous capable vraiment d'encourager le monde. L'autre qui a gagné, ou même tout, je viens développer la foi au nom de mon Dieu, nous ouvert à cadre la foi à mon Dieu, déjà bail déjà. Parce que la foi, c'est un cadeau lié, il est déjà disponible là pour tout le monde, mais parfois il y a quelqu'un qui bouche que yo, donc il va recevoir un cadeau. Mais peut-être si yo, ouais, comment nous-mêmes, les chrétiens, nous-mêmes, qui avons Jésus-Christ, nous-mêmes, en Jésus-Christ, comment la foi s'allie manifeste dans la vie, chaque jour. Donc, je ne sais pas.
dans l'église là, yo vin tonè et bon Dieu. Parce que gens ont posé dans l'église catholique latine. Donc, prêcher l'évangile là, et parfois, s'il est nécessaire, utiliser parole, utiliser mots. Et parce que c'est ça le exactement. Donc, prêcher l'évangile là, c'est pas tellement donc, utiliser en pile parole, en pile mots, en pile mots discours, surtout dans la façon d'abdure, surtout dans l'exemple, la foi, la baille, c'est ça qui va attirer notre monde. Mais vous-même, vous venez à détourner par le sang de Jésus-Christ, vous venez à détourner par le sang de Dieu, vous venez à dire, parole que content ça, si maillé, miséricorde,
a si maillé en travail remé, mon Dieu, voulait pour nous faire tendresse, mon Dieu, de voir ensemble, pour capable d'entrer tout le monde dans la mission, mon Dieu, voulait pour toute baptiste qui s'est à travail pour faire plus de monde et connaître mon Dieu chaque jour dans la vie. Amen. Qui fait que Père Aristide, que nous avons dit vraiment, vous merci. Mais qui est un ministre dans Chicago? Bon, ministère, ça marche très bien. Donc, je travaille dans une communauté libanienne, haïtienne, là-dedans. Donc, parfois, un mois, parfois, par mois, avec des communautés haïtiennes qui sont dans Chicago. Qui bah, ont vraiment une grande communauté, mais ils remettent. Donc, on a essayé de travailler ensemble pour continuer et faire bonne nouvelle l'évangile à Gaï, surtout dans le temps haïtien au Chicago, et puis toute l'autre partie de Jésus qui est dans Chicago. Donc, ça marche très bien. Donc, nous disons Dieu merci pour ça. Bon, est-ce qu'il va avoir le sous-là du tenement? Online, oui, parfois sur Internet. Donc, moi, je recevoir le tenement pratiquement chaque semaine. Donc, l'île, et pour moi, ça va passer dans, au niveau communauté haïtienne en général et dans l'Amérique du Nord, puis à travers le monde entier. Donc, toujours l'île, oui, ma contact avec. Mais qui est-ce qui est-ce que vous avez? Bon, parce que c'est un travail extraordinaire, parce que déjà la Kembe et Haïti, quel que soit à côté, il y a en Europe ou bien Amérique du Nord. En Haïti, et donc, qui est arrivé en contact l'un avec l'autre, et pas n'importe contact, mais un contact qui est basé sur l'évangile, un contact qui est basé sur la parole mondiale, et un contact spirituel, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, il applaudit et décision ça, applaudit l'initiative ça, parce que c'est bon pour. Malgré toutes les difficultés qu'il y a, on est donc mais pour capable toujours qu'il y ait belle, parce que c'est un bon outil de connexion, c'est un bon outil de communication entre haïtiens capteurs et qui est parmié un peu partout à travers le monde pour ensemble capable de rester en communication de la cause. Qui est que notre travail que sur plutôt pour nous entrevue avec vous et dans la télévision, surtout pour parler du travail en Haïti, parce que nous avons entendu pile mon travail en Haïti. Donc c'est comme ça, donc nous arrivons tout construit cette latrine
pour cette famille bactérienne qui te connaît avec les besoins d'enrager. Donc, nous construisons cette latrine et pour y contribuer. Donc, et l'objectif, nous, pour le moment, c'est qu'on a construit environ 30 latrines. Donc, et puis en attendant, et puis peut-être, si il y a une possibilité, si vous faites l'autre des donations, l'autre possibilité, donc, d'avoir continué le travail sur le projet ça. Dans l'année prochaine, nous avons un projet en l'autre cas encore. Qui est que n'a bien pour retourner et que bon pour parler mon plus de projet ça comme on dit c'est à travers la télévision que ça a bien pour fait quoi okay. Que nous réellement remercions pour réflexion carême que et que pour tout pour nous pour l'année 2015 là que n'a pas appelé pour auditeur auditrice niveau que c'est le père mon Aristide qui sont presbytères et que paye-moi hier et que moi qui très très proche du centre national de la presse haïtienne à l'étranger parce que paye-moi qui exerce le ministère de New York pour mon bout de temps quoi bon et pour mon bout de temps avant que d'aller Chicago mais comme on connaît que presbytères ce sont des missionnaires que oui bon un peu partout et que je ne veux dire que en Haïti tout bon que nous connaissons que tout mon travail que paye-moi et presbytère a fait un peu partout quoi. Sans relation que nous connaissons avec le feu et père Antoine Adrien, bon, et un pile l'autre, et vraiment vous voyez que bon, nous savons que ce sont des fiertés, même les que père Antoine Adrien par là, je ne dis pas que dans tout le monde connaît qui travaille que lui fait en Haïti, et qui travaille que lui fait tout dans la diaspora, surtout dans vos sœurs Brooklyn, ouais, bon, et que côté que nous savons que le ministère, etc. Ouais. Mais que Carl 86 était retourné à Haïti, bon, nous on est que père Antoine Adrien, il y a quelques années depuis que bon Dieu était relevé. Pour le ministère en moi, bon, c'est sûr côté que l'IA continue à prier pour nous. Je veux que Père Aristide, encore une fois, un grand merci. Merci Frère Buto, donc c'était un plaisir pour moi pour me partager la réflexion avec tous les auditeurs, auditrices et cap côté Radio Solidarité, quel que soit à côté OEA. Donc, demandez bon Dieu pour bénir nous, bénir mission nous, bénir travail nous, quel que soit côté nous, et puis surtout bénir famille nous, et puis aider nous à rester fidèles et à volonté de la vie nous, quel que soit côté nous. Merci. Encore une fois, un grand merci. Merci, Frère Beto. Ok, d'accord. Bye.
Jésus.